Salut tout le monde, c'est Zedarka. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite pour détruire tout ce qu'on touche. Donc c'est un glitch vraiment fun et complètement what the fuck qui est super facile à réaliser. Vous devrez vous munir d'un jump pad et vous retrouver à une tyrolienne. Donc ça marche à toutes les tyroliennes, mais je vous conseille vraiment d'utiliser la même que moi dans la vidéo parce que c'est largement la plus facile pour faire ce glitch. Et donc le principe sera de poser votre jump pad près de la tyrolienne pour faire en sorte de sauter dans le jump pad et juste avant de le prendre et de s'envoler dans les airs, vous devrez appuyer sur la touche d'action pour utiliser la tyrolienne. À première vue, on dirait qu'il faut avoir un timing parfait, alors que pas du tout, vous devrez simplement sauter sur le jump pad et juste avant d'atterrir dessus, il faut activer la tyrolienne. Donc moi sur PC, ma touche c'est F, mais sur PS4 c'est carré, sur Xbox je crois que c'est X. Et donc après avoir fait cela, vous allez vous envoler dans les airs comme d'habitude avec votre jump pad, mais vous aurez aussi l'aimant au-dessus de votre tête de la tyrolienne. Et à ce moment-là, vous serez glitché, mais faites très attention parce que premièrement, vous ne devrez pas redéployer vous-même votre planeur, sinon ça désactivera le glitch. Donc laissez-vous planer jusqu'au sol et donc arrivez sur terre, là vous allez détruire tout ce que vous allez toucher, ce qui est assez fou. Mais par contre, encore une fois, il faut faire extrêmement attention de premièrement ne pas sauter, ni utiliser de répulsive, grappin, bounce pad et tous les objets qui vous font sauter en l'air, parce que du moment où on a un pied en l'air, ça désactive le glitch et on doit le recommencer en allant près de la tyrolienne, sauter sur le jump pad, activer la tyrolienne. Et c'est reparti. Mais voilà, faites très attention à ne pas mettre un pied en l'air. Et c'est un peu le bémol de ce glitch, c'est qu'on peut pas sauter. Et même si à peine on met un pied en l'air, comme ça m'est arrivé en descendant un mur sans le faire exprès, et ben ça désactive le glitch. Mais bon, il reste vraiment fun pour détruire complètement l'île de Fortnite ou pour troller vos amis ou des inconnus en terrain de jeu. Bien évidemment, il est faisable en partie publique, mais ça va plus vous handicaper qu'autre chose parce qu'en fait, certes, vous allez détruire toutes les constructions, mais par contre, les vôtres aussi. Donc pour se mettre à couvert, c'est impossible. Et du coup, rien que le premier ennemi en face de vous n'hésitera sûrement pas à vous one-shot. Mais voilà, ça reste vraiment un glitch fun à faire entre amis pour détruire Tilted Tower ou n'importe quelle ville de Fortnite. En tout cas, je pense à peu près avoir tout dit pour cette petite vidéo de glitch sur Fortnite. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Et donc, moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde!